Eh bien, comme promis, nous allons attaquer notre séquence de tuto sur comment transformer une vidéo en dessin animé. Et la première chose qui est à faire, c'est de transformer cette petite vidéo qui dure que 3 secondes, parce que ça fait quand même 25 images par seconde, donc pour pas avoir un tuto qui soit trop long. Very similar to what you would see in the movie Doctor Strange, or very similar to what you would see in the movie Doctor Strange. Voilà, nous allons transformer cette vidéo en séquence d'images dans After Effects. Je ferai une version Premiere pour ceux qui préfèrent travailler sur Premiere. Bien, After Effects est ouvert. Je double-clique ici et je vais aller chercher la petite vidéo de 3 secondes. Ouvrir. Voilà. En la descendant sur l'icône ici, j'en fais une composition. Et j'ai donc ma vidéo. Je vais aller dans Composition pré-rendu. Et ici, dans Module de sortie, je vais aller chercher séquence JPEG. Alors on a la séquence JPEG, la séquence PNG qui est aussi un format d'image, la séquence Photoshop, la séquence TIFF, la séquence Targa. Donc on va prendre une séquence JPEG, utiliser le numéro d'image de la composition. Donc il va me numéroter mes images. Et ici, dans Destination, eh bien, je vais créer un dossier. Donc nouveau dossier. Je vais l'appeler image de départ. OK, j'ouvre et j'enregistre. Maintenant, je fais mon rendu. Et je laisse travailler After Effects. Reste plus qu'à vérifier. Donc, dans mon dossier image de départ, j'ai bien ma séquence d'images. Donc, ma vidéo s'est transformée en autant d'images qu'il y a d'images par seconde, c'est-à-dire un peu plus de 3 secondes multiplié par 25, on va obtenir 112 images. Vous voyez qu'elles sont tous numérotées en partant du titre de la vidéo Movie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ainsi on va pouvoir travailler sur de cette séquence d'images sur Photoshop pour transformer nos images en dessins.